Allez, allume les micros. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas. Turn up the light. Bon boulot à tous, c'est Fougas et Mr. Wawal 76, la sentinelle qui retombe sur ses 4 ailes et qui représente tous les 4 ailes. Sujet d'IMF, l'anglais, tu peux pas tester. Tu ferais mieux d'avouer toutes les faits contre toi. Donc, quel est le nom de cette mission? Tu ferais mieux de jouer au jeu de loi. Quel est le nom de cette mission? QG de la CIA à l'anglais. Tu es sorti indemne de l'ambassade sans aide, c'est impossible. Mais c'est interrogatoire. Oui, interrogatoire, c'est ça. Tu connais Max, avoue Ethan. Tu es l'espion de Max. À la taupe. La taupe. Ok, tu veux me mener en bateau? Eh, attention. Ce sera pas dans le Titanic parce que sinon tu coules. Il tombe à l'eau. Mais pourtant il est insubmersible. Ce paquebot il fait d'acier. Je vous l'assure, monsieur. Il va couler. C'est mathématique. Ok, tu me fais pas ton regard bizarre de. Ah non, Google Knight, non. Ça c'est quand le pont A commence à se faire envahir par les eaux. Par les eaux. Par les eaux. Franchement, hein. D'habitude leur café est ignoble, mais là, franchement. Ouais, c'est une petite blague ça. Oh, Ethan, ici, Candice, dégage de là, nous avons des problèmes. Ok, comment j'y vais. Parles, j'ai caché une tablette de chewing-gum explosif près de la table. Sur la table, utilise-le, coupe-toi, force de nous couper les crédits, ils auront ma peau. Ils auront ma peau, ouais. Mon matériel est sur la table, derrière cette vitre. Alors, sur la table, on peut distinguer un si, hein, il me semble. Bingo, j'ai le chewing-gum explosif. Ouais, attention, là il l'a fait à la MacGyver. Voilà. Hein. Et chewing-gum explosif. Arme, et voilà, arme, comment fétiche, dire, fétiche de prédilection. Ouais, récurrent dans les films. Un arme propre à la. Il y est dans le 1, c'est ça que tu m'as dit. Hein? Il est dans le 1. Dans et là, je l'ai fait boom boomer direct. Et je crois qu'il y a mission. Dans le 1 sur. Je crois que dans le 3 dans aussi. Dans une scène. Il y en a un aussi, je me souviens, dans un restaurant, il pète un aquarium avec un truc bizarre. Et là, on voit mon bras. Nous reviendrons quand on aura ça. Et là, on retrouve les deux boulots, hein, le geek et le blond. Ouais. Oh, oui. Le blond, c'est le sergent. C'est les deux grands agents. Bon, on peut pas les qualifier de boss, mais. Bah, c'est des boulots, quoi. On veut bien dire ce que ça veut dire. En fait, c'est des personnages plus importants et l'IA est beaucoup plus réactive et beaucoup plus intelligente. Cours vite. Donc, hein, il faut rentrer parce que sinon. Vous vous êtes prise au piège, la porte se referme. Ouais, voilà, comme là. Voilà. Bon, ça peut arriver. Je pense pas que ça t'est déjà arrivé, non. Moi non plus, il me semble pas, mais après, je dirais pas Fontaine trop vite. Hein. Dis pas Fontaine trop vite, alors. Regarde le pupitre, là, c'est la caméra, c'est une caméra... Okay. De quoi? Bah, il faut montrer un petit peu les détails. C'est la salle où t'étais tout à l'heure, non? C'est quoi? Ah, lui, il m'a vu, parfait. Oui, il fait un onche ondulé, lui, et... Halt, je vous arrête. Il va dormir comme un bébé. Et là, il me semble plus. Il a lâché son électrocuteur. T'as pas pris son électrocuteur? Si, j'ai pris. Alors, voyez ces petits motifs qui sont sympathiques, là. Hein, Infirmerie. Là, c'est marqué infirmerie. Et là, par là, je sais pas s'il y a quelque chose de marqué. Non, enfin, apparemment, non. On s'en fout. Mais fais attention, il y a une caméra là. On ne plus là. Et comme dit, j'ai caché une bombe de peinture derrière des caisses pour neutraliser les caméras. Et donc, à quoi sert ta caméra? Ta caméra, ta bombe là. Oh! Ah! Contre-carré, la vue des caméras. Je trouve que c'est une bonne idée ça. Il y a des bonnes idées dans le jeu quand même, je trouve. Ouais, c'est vachement pas mal. Bon, c'est pas un sniper ton truc qui va quand même plus me toucher. Ouais. De là où tu étais, c'était un peu loin, je veux dire. Bon, lui, je vais le boom-bromer comme ça là. Hop, avec un pistolet flèche. Magnifique. Donc lui il fait c'est un mec qui fait la garde, il est toujours là. Oui, les agents comme ça c'est des fonctionnaires. Hein.
qui sont toujours en grève. Oh, je t'en prie. Bah oui. Ouais, mais... Ah non, c'est bon. Ouais, c'est beau là, t'as le petit bout rouge. Hop. Et d'un. Et de deux. D'un moins. La double. La doublette. La double. La doublette. La double. Moi je te. Et donc là, vous voyez les flèches à quoi elles servent. Donc là, on a pris l'empreinte, hein, comme il faut faire. Donc là, vous avez la flèche qui vous montre que c'est la salle d'interrogatoire, par là, donc là, de là où on vient. Et là, c'est la salle informatique. Informatique. Ouais, parce que c'est marqué Computer Room. Et moi, je trouve ça, enfin. Bah, je trouve que ça nous met dans l'ambiance. Tu montes pas l'autre salle. Hein? Tu montes pas l'autre salle. Qui sert à rien. Non. Bah oui, vas-y. Oh. La Computer Room? Ouais. Mais elle sert à rien. Bah, il faut quand même montrer. Cette salle-là, j'ai jamais compris son utilité. Si vous savez, écrivez-nous dans les commentaires. Parce que c'est vrai que c'est. Vas-y, regarde un peu les pupitres quand même. Okay, ouais. Donc ça, c'est parce que c'est. Tiens, ça c'est petit. Oh, ça montre tous les endroits, voilà. Ouais, deux en fait. Deux endroits. Ouais. Ah ouais. Non, mais deux c'est endroits. Bien. Oui, bon, bah. Moi je trouve ça nous. Enfin, c'est bien justement qu'il y ait des salles qui servent à rien, mais ça et nous. Et par contre, nous... le tonton, voilà, il est gentil, le petit fougasse. Maintenant, moi je suis obligé de me manier. Hein. Mais arrête. Et ça me contrarie dans mes plans. Hein. Et là, qu'est-ce que tu fais? Et là, regardez-moi ça. Cet endroit. Donc, il y a un 9 mm. Un pistolet vide, je le prends. C'est tout, jamais. Bon. Et donc, c'était caché. Et donc, il faut appuyer deux fois sur l'interrupteur pour que la porte s'ouvre deux quarts de tour. Voilà. C'est ça si je ne m'abuse. Bon, alors lui. Dans le dos. On le fait à la fourbe. À la tartuffe. On va faire comme ça. On va le faire infiltration parce que lui, il est fourbe. Voilà. Ouais. Est-ce que il a appuyé à pied sur un pupitre et Là, c'était très juste ce que j'ai fait. Là, c'était très juste. Tu t'es trompé là, non? Non. C'est. Donc, c'est là. Voilà, là, faire bien attention. Hop. Donc, ma tactique marche. Ma tactique, c'est d'aller par là. Donc, le sergent, il est là. Hein? Il n'y a pas une. Tu veux pourquoi tu rentres pas dans la salle? Parce que dans l'autre salle, c'est pas stratégique. Parce que là, tu vas voir, il va sortir un électrocuteur. T'entends le bruit de l'électrocuteur. Ouais. Et là, maintenant, faut courir là parce qu'il va nous mener là-bas. Bon, ça, c'est un manque. D'immersion, j'en ai un manque d'intelligence finalement parce que lui, on le suit et tout. On attend qu'il ouvre. Voilà. Ouais. En gros, c'est vrai que c'est. Il ouvre le truc, hop, je lui tire dessus. Et il dit rien. Et il est dead. Et là, tout d'un coup, tu fais un onche onche ondulé. Et voilà, oui, tout d'un coup, il y a des petits effets spéciaux. Oui, tu peux le dire. Un jeu de couleurs hein, où on voit du noir tout d'un coup. Et que tu titubes. Et donc là, on va vers l'infirmerie. L'infirmerie. Et donc le timer n'est plus d'utilité dès ce moment-là. En fait, il disparaît. Et pourquoi il y a un timer d'ailleurs? Ah, parce que après tu serais mort, c'est ça? Avec tes médicaments? Oui. En fait, okay. Et est-ce que je sais pas s'il y a un conseil là? Parce que tout à l'heure on a perdu. Heureusement, vous pouvez compter sur le risque. Ouais, vous ne donc, ouais ok. Dit, non, rien. Tu as dû. Pas de panique. Bon, et objectif? Regarde les objectifs. Là, les objectifs, c'est trouver l'antidote, détourner l'attention, trouver un accès au toit. Donc voilà. Ouais, t'as un bouton sur la table. Rouge. Voilà. Donc là, c'est. J'espère que Géraldine voilà, va me trouver un antidote. Aide un antidote. Hein. Elle est gentille, Géraldine, quand même. Ouais, j'aime bien Géraldine. Bonne grand-nièce. Tu veux pas appuyer sur le bouton sur la table Je pense pas que c'est celle-là qu'il faut découvrir. Mais là en plus il y a les petites phrases indicatives. Oui, j'ai envie de voir quand même. Oh, tu peux essayer avec la table. Avec la table, si ça te fait plaisir. C'est un gros bouton. Oui. Non, bah vaut mieux y aller là. Ouais, ok. Et là, donc il faut détourner l'attention et ensuite là, partir. Non, elle est détournée.
Oui, Voilà. ok. Ils étaient trop près de moi tout à l'heure, alors voilà pourquoi ça n'a pas marché. Faut faire attention donc à l'infirmière et l'infirmier qui soient pas trop près de vous, sinon ils vous arrêtent. Bah, il faut attendre d'avoir des Et donc là, tournements. regardez, belle cinématique, on monte. Ouais. Et aussi une fois, j'avais pas détourné l'attention, j'ai voulu vite fait y aller sur ce petit truc là. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, il n'y a pas le petit truc là et tu tombes dans le vide. Ah ouais. Voilà. Ok. Et ben, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, donc on vous dit à la prochaine et c'était une belle mission, j'ai trouvé. Oui, Plutôt très plutôt très sympathique, sympathique, bon background et surtout manger de la soupe. Et Ça assez vous aime, longue tout hein? ça, ouais. Et Arrêtez de prendre du café de la CIA, c'est merdique, hein? ouais. Et les chewing-gums. Maintenant, achetez votre machine à café à vous. Et les chewing-gums, faites On vous le dit attention, en plus. les chewing-gums, ça peut exploser. Oh. Alors toi, t'as toujours les conseils formes. Bon, bien sûr. Tchuss! Tchuss!